Les essentiels du bassin, toute nouvelle émission désormais, chaque jour de 12h à 12h30, on va vous faire découvrir les endroits essentiels forcément du bassin et on démarre avec une table essentielle, le Bistrot 50, on est à la U mais je suis ravi d'accueillir le trio magique, Alvaro bonjour, Rémi bonjour, Mathieu bonjour, salut Rémi, et Greg bonjour, salut Rémi. Alors vous êtes tous les trois associés dans cette belle affaire qui date de combien de temps d'ailleurs Alvaro? Alors qui date bientôt de 7 ans. Déjà 7 ans? Déjà 7 ans ça commence à faire et en effet... Et c'était parti sur une union dans la qualité, puisqu'on s'est rencontrés parce qu'on aimait l'aimer. Mmh. On aimait vous aimez les bonnes choses. Pas mal, hein, et les bonnes. On la garde celle-là. Il faut la garder celle-ci. Oui, oui. et du coup, on s'est associés. On est rentré dans un cadre charmant où il y a une belle décoration et on fait surtout de la cuisine bistronomique de qualité. Et je le répète, avec une association. De vin et de cocktails a donné très très envie. Oui, alors justement la décoration, faut en parler parce que c'est vrai que c'est assez magique ici. Hein. Alors la décoration ici, oui, ça a été fait sur la mise en place du bois. Mm-hmm. Le bois est très présent chez nous avec une terrasse arborée autour d'un olivier. Mm-hmm. Et beaucoup de verdure, tout en harmonie, sans cassure, sans façade. Et ça fait combien de couverts ici, Alvaro? Ici, on travaille entre 80 et 100 couverts l'été, et l'hiver, on est autour de 50. Mmh. Avec une belle clientèle qui avec est tout à fait présente, une présente et fidèle. Ça, c'est le petit plus, c'est que c'est à l'année. Nous sommes disponibles vraiment toute l'année et nous avons la chance que la clientèle nous fasse confiance. Mmh. Et puis surtout, vous êtes complémentaires tous les trois, parce que donc toi, Alvaro, t'es plus quoi dans le côté financier, on va dire? Financier, et puis administratif. Gestion administrative. Comptabilité. Comptabilité, et puis aussi pas mal d'accueil au niveau de la réception de la clientèle. Mmh. Et puis après, tout petit boulot aussi, de toute façon. je me mets à un niveau. Et on va parler justement de la clientèle avec Mathieu dans quelques minutes. Restez avec nous sur la radio des essentiels du bassin.